notre bulliste, qui a un peu moins d'expérience, je crois, que ses camarades, mais qui se pose remarquablement bien. Merci à lui et à tous. Pendant ce temps, le parapentiste, qui a été tout à l'heure treuillé, est en train de se poser devant vous. Donc vous voyez que les ailes remontent de temps en temps sur la piste, tout simplement parce que l'activité thermique est assez conséquente et que les bulles d'air font remonter les parachutistes. Et je vous explique très brièvement comment il monte comme ça, puisque vous voyez une ficelle qui s'échappe de sa sellette et qui est reliée à un treuil qui est situé en bout de piste, qui s'enroule grâce à un moteur et qui donne à l'aéronef la vitesse suffisante pour monter. Quand le parapente qui vole à une vitesse d'environ 25-30 km/h sera vertical treuil, le treuil pourra être largué, le pilote larguera son câble et le pilote se retrouvera en position de vol libre comme s'il décollait d'une pente et il sera à environ 150-200 mètres de haut. Et il viendra se poser devant vous. C'est donc un club dont je vous rappellerai le nom tout à l'heure, qui nous vient d'Angoulême, qui a bien voulu nous faire une démonstration de parapente treuillée. Donc le parapente continue à monter, tracté par le treuil et la bobine. Et vous allez voir dans quelques secondes le largage du câble, qui sera ramené par un parachute. Le voilà largué et le pilote se retrouve en position de vol libre et peut évoluer comme les parapentes lorsqu'il décolle de nos sites à la Monédière, à Monceau. Et va se poser devant le public. C'est une façon de s'envoyer en l'air sympa puisqu'elle permet d'atterrir au même endroit qu'on a décollé et qui est pratiquée sur cette piste de temps en temps, qu'on essaiera de généraliser un peu plus souvent dans les semaines à venir parce que c'est vraiment très intéressant. Le simulateur de vol continue avec un deuxième passager. Sensation garantie pour un prix dérisoire, bien entendu. Virage entretenu toujours à droite. Donc il a coupé les gaz, il redescend en virage à droite vers le sol. Donc je pense qu'il va prendre une prise de vitesse. Virage sur la tranche à 50 mètres de sol. Avec son autre machine, c'est relativement donc le wing à gauche. À la gauche, prise de montée. Virage sur la tranche à droite. Vous avez vu le rayon de virage qui est quand même très limité. Donc on évolue quand même dans un mouchoir. Avec 80 chevaux, on a un taux de montée relativement important. Donc vous avez vu à quelle vitesse il s'éloigne. Même lorsque le moteur tombe en panne, est toujours en mesure de sauver la vie de son pilote. Regardez, sans aucun moteur, comment Samir se pose calmement sur la piste. Sans aucun problème technique particulier, l'appareil vole toujours. Et se pose juste devant vous. Sans aucun rebond, malgré des conditions aérologiques dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont difficiles. Je vous demande. Pierre Sena est en leader, Jean-Marc Vivarga est en levier gauche, et Xavier Versu. On va se dire toujours. Et éclatement. Mesdames et messieurs, au
au micro tout à l'heure pour qu'il vous explique un peu comment fonctionne un autogire et la façon dont ils ont fonctionné. Et vous gênez pas pour applaudir parce qu'ils vous regardent. Hein. Regardez l'appareil jaune qui vous fait une démonstration de ce qu'est capable de faire un parapente ou un paramoteur, c'est-à-dire de fermer une partie de sa structure sans pour autant perdre des qualités de vol, pour démontrer que les appareils, qu'ils soient parapente ou paramoteur, sont des voilures souples, c'est-à-dire qu'ils ne sont maintenus en place que par l'air qui circule dans les caissons. Comme un parapente, sauf que là, il n'a pas envie de se poser. Et il fait peur au photographe. Et il va se poser comme un parapente. Et j'ai envie. Aérienne des Chancelles avec l'ensemble des activités que vous découvrez qui sont quasiment toutes pratiquées est un super outil. L'objectif, c'est de faire une fête ici, de montrer à vous, sectionnaux, qui nous avez autorisé à voler chez vous, aux habitants de la commune de Monceau, qu'on est capable de voler ici, de faire un sport dans des conditions raisonnables, de vous montrer tout ce qui peut se pratiquer en matière de vol. Et tout ça, on a pu vous le montrer grâce au travail de tous les gens du club. Merci à tous. Et j'espère à une prochaine fois.